I was there in on the Friday before the Dauphiné, so I have seen the Puy de Dôme, and I know it's very, very steep, the last 4K. For sure it will be one of the decisive moments. For sure it has a big influence on the GC. L'attaque de Michael Woods. C'est gagné, victoire de Michael Woods. 1,5 km encore avant le sommet, l'attaque de Tadej Pogacar, ça y est. Tadej Pogacar, il a baissé la tête, Jonas Vingegaard, il est en train de craquer. Pogacar qui va passer la ligne. Il n'y a plus de gestion là, il sera bloqué. Et le retard de Jonas Vingegaard qui a bien limité la case dans le final. À l'arrivée, il ne perd que 7 secondes. Et le leader au classement général de ce Tour de France, c'est Jonas Vingegaard de l'équipe Jumbo-Visma.